Chers téléspectateurs, on se retrouve pour notre deuxième gâteau. Aujourd'hui, je vous propose une recette de maqrot, mais seulement je vais vous présenter un maqrot petit, ce qu'on appelle l'mqirat. Très facile et rapide à réaliser. Pour cela, on a besoin de 3 mesures telkilettes de semoule. Pour moi, j'ai pris de la semoule moyenne de chez Le Renard, une semoule de qualité supérieure. J'ai pris aussi 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. J'ai pris une demi-mesure d'huile, des graines de sésame et de la pâte de date, l'gers. On va commencer à préparer notre pâte à mqirat. Donc le mqirat, c'est les mini maqrot. Rien de plus facile. On va mettre de l'huile sur la semoule et on vient travailler entre les doigts. Pour ma part, j'ai pris l'extrait de fleurs d'oranger, donc je vais lui mélanger de l'eau pour que ça ne soit pas trop fort. Et on va venir ramasser notre pâte avec la fleur d'oranger. Et on va pas mouiller en fait toute la pâte, j'ai fait exprès de mouiller que le milieu avec la fleur d'oranger. Sinon notre pâte va sécher. Donc on va prendre un peu de pâte qu'on va travailler. Dès qu'on voit que notre pâte est prête, on va la laisser de côté et venir travailler notre pâte de date. Pour la pâte de date, on va rajouter un peu de fleurs d'oranger aussi pour la rendre plus facile à travailler. Pour nos mini macroutes. Donc on va prendre notre boudin. On va former avec le doigt un petit trait au milieu et on va mettre notre pâte de date. On va la faire en boudin aussi et la mettre au milieu. Et refermer sur la pâte de date. Et on va venir couper. Et on va couper nos mini maqrot. Vérifier, moi j'ai mis l'huile sur le feu. On va vérifier, elle est chaude. On va mettre directement nos maqrot. Et on va les frire des deux côtés.
Chers téléspectateurs, je vous laisse avec un jingle et on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, mon qayrat est frit. Ce qu'on va faire maintenant, j'ai mis un mélange de miel et de fleurs d'oranger sur le feu et je vais rajouter les graines de sésame. Et on va plonger nos mini maqrot, le mqayrat, dans le mélange miel et sésame. Bismillah. On va laisser notre mini mqrot dans le miel et sésame, disons une quinzaine à une vingtaine de minutes, le temps pour le mqrot de s'imprégner complètement du goût du miel et du sésame. Je vous rappelle aujourd'hui, je vous ai proposé mqrot, des mini mqrot avec des dates. Retrouvez-nous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, page Facebook et Instagram, et surtout sur YouTube. Chers téléspectateurs, au nom de toute l'équipe de Tel un Chef, je vous dis Eid Mubarak. T'aïdou bussaha wa lahna, inshallah, taqabbal Allahu minna wa minkum wa ghafara lana wa lakum. Une pensée à toutes les personnes malades et à toute personne qui passe l'Aïd loin de chez elle. Rabbi shfi jmi' marid wa jmi' shmil jmi' ghrib. Moi, je vous dis talaw bzafirahkum. Salam.